Nous sommes sur la planète Mater One, en l'an 512 de notre ère, et l'humanité vit sous le règne de Phoméus Archibald Magnum IV, sixième roi de la lignée, mon père. Nous sommes à l'heure du changement, mon enfant, et nous devrons choisir entre le douloureux et le pire. Nous nous dirigeons vers le schisme qui aboutira à l'exode. Ce qui va suivre est l'histoire d'une chute, celle d'un système et celle d'un homme. Nous autres, souriants, sommes également férus de traditions et d'histoire, mais pas de la même manière, semble-t-il. Une révolution qui abattrait la royauté pourrait être notre chance. Il semblerait que je n'ai plus de pouvoir. Nous avons une zone de plusieurs centaines de milliers de kilomètres irradiés, dont plusieurs villes. Même des dossiers confidentiels de l'armée, la machine s'est emballée, ils sont devenus fous tous! Notre animalité. Employez tous les moyens qui vous sembleront utiles. Arrêtez et interrogez qui bon vous semblera. Menez-leur cette guerre à outrance qu'ils veulent. Retrouvez-les tous et écrasez-les jusqu'au dernier. Red Universe. La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Angile Pophéus, c'est ainsi que tu me déclares la guerre. Alors je relève le gant, m'écart. Nous assassinons notre peuple, père. Deux chasseurs en approche, en 5-3-7. Nous risquons de nous casser le cou à cette vitesse. Ils ont osé blesser ma fille, Prince Mécarion. Le manteau les plus puissants et les plus aguerris au combat. Les meilleurs, je les ai sélectionnés moi-même. Laissez-moi vous montrer l'autre choix. En avant! Chapitre spécial 2014. Benedicente Regi. Angile Pophéus! Venez à moi, puissant titan, venez à moi! Samedi 10 janvier 2015, sur RedUniverse.fr. Où que tu sois, je pense à toi, mon père.